Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous solidariser, comme nous avons l'habitude de le faire, nous unir autour de cette cause. De la Almana et des Yétomim, de la veuve et de l'orphelin, combien est précieuse cette mitzvah de solidarité, de compassion, d'amour, d'empathie envers la veuve et l'orphelin. En effet, on voit qu'Hachbourou lui-même, dans le passage qui dit « Oseh mishpat yatom ve'almana », il prend la justice et il mène le jugement pour le bien de l'orphelin et de l'almana. Et nous devons faire tout autant. Il y a un autre passage très connu qui nous dit « Yatom ve'almana yehoded » Hachbourou donne le courage à l'almana et à l'orphelin. Alors, il est très important, chers amis, qu'on réalise qu'une almana, ça vient du mot « il aime ». Veut dire muette. Elle est muette devant son chagrin, devant sa perte, devant cette tristesse qui lui est affligée. Il y a Tom Zemirotam, ce sont des enfants qui n'ont plus de père pour les éduquer et les supporter. Alors, ensemble, prenons sur nous cette mitzvah extraordinaire. Que je nous supplie de nous engager et d'imiter ses voies et de faire ce que je veux le plus au monde, s'occuper des êtres les plus vulnérables. Et c'est ça que même Ishaïa avait un passage dans Ishaïa avait extraordinaire. Et c'est, je pense, ça qu'il faut retenir. Et il nous engage, et je vous dis directement en français le passage, apprenez à bien agir, cherchez la justice, rendez le bonheur à l'opprimé, faites droit à l'orphelin et défendez la cause de la veuve. À nous, chers amis, de s'assurer que cette famille Lubavitch ait tout ce qu'il faut, un toit, de la nourriture, de quoi fonctionner. On sait très bien tout ce que ça prend. Ils n'ont aucune ressource actuellement. Il est de notre devoir de communauté et de Bnei Israël d'être solidaires, Rahman, Rahmanim, Bnei Rahmanim, comme nous le sommes toujours, et de faire kavod et honneur à Hachem, à sa sainte Torah, à ses saintes prescriptions, et de faire ce caché au fond de nous. En ce faisant, Kol Amerachem Albiriot, Rahman Al-Shamayim, tout celui qui a la compassion pour les créatures, Hachem aura la compassion à son tour sur lui-même. Ainsi nous attirons la bénédiction de nos foyers, la longue vie, la santé pour les nôtres. Amen, Kenir Hatzol, on est tous ensemble, Bezrat Hashem, autour de cette sainte mitzvah qui nous est proposée et Hachem nous enjoint de participer. Portez-vous bien.